Expo has modern extensive premises conveniently located at the heart of Europe. Let's have a tour and discover it. You can access Pull Expo by any means you please. The International Coindrin Airport is across the road. Cornavin train station is a short ride away. This puts us 1 hour from Paris, London, Frankfurt or Zurich, and 6 from Dubai or 10 from Beijing. Do you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit. Em algumas relações, o amor é mais que sentimento. É cuidado, dedicação e aperfeiçoamento. A criação de cães é tudo isso e merece ser compartilhada, celebrada e premiada. Por isso, desde 1964, anualmente, uma cidade do mundo recebe os mais belos cães de raça para o World Dog Show. Em 2022, São Paulo, a maior metrópole da América Latina e capital do turismo de negócios, receberá o maior evento de cães do mundo. O espaço escolhido para a edição verde-amarela é o Expo Center Norte, localizado estrategicamente. Oferece 76 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para receber 12 mil pessoas por dia, com infraestrutura completa e alta qualidade em serviços. Serão mais de 5 mil cães de 50 países dos 5 continentes reunidos para mostrar o melhor da criação mundial e a importância da preservação das raças, em uma programação repleta de atividades como competições de beleza, esportes caninos, grooming e muito mais. Faça parte dessa festa! No ano em que o Brasil comemora 100 anos de cinofilia, quem ganha esse presente somos todos nós. World Dog Show Brasil 2022, de 8 a 11 de dezembro, no Expo Center Norte. Ladies and gentlemen, welcome again in Geneva at the Geneva Dog Shows Weekend 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce ring d'honneur des expositions canines internationales de Genève pour cette édition 2022. If there was no break because of the COVID in 2020, this would have been the 10th edition already of the Geneva Dog Shows. We are welcoming you here today again. This is a difficult day with two dog shows. The CAC show didn't have a main ring. We have the main ring here now starting for the International Dog Show. Voilà, nous vous remercions donc tous de votre présence, juges, publics et les exposants. Je crois qu'on peut dire que ces expositions 2022 sont un grand succès. Il y a plus de 6500 chiens inscrits sur les 3 jours, 35 nationalités présentes pour les exposants et pour les juges, 18 nationalités également. Donc, nous vous souhaitons un excellent après-midi à vous tous pour suivre ces finales. Whether you are here in the hall at PAL Expo with us or watching us online or on YouTube or Facebook, we wish you a lovely evening spent here in the final competitions of the Geneva Dog Shows 2022. Voilà, et nous vous signalons que vous pouvez suivre ces finales donc sur la chaîne YouTube
L'an dernier, à certains moments, nous avions plus de 5000 followers. Nous espérons en avoir autant cette année et même un peu plus au fur et à mesure des jours. Prévenez vos amis de nous suivre, de suivre ces finales sur la chaîne YouTube de P1 Dog Shows. We will be starting with the best couple competition and I will ask my colleague Bernard to introduce the judge. Merci Linda. Et je vais donc cette fois et pour de bon vous demander d'applaudir Monsieur Christian Stefanescu. Cette fois, allez-y sous vos applaudissements, président de la Fédération canine de Roumanie, pour juger la classe des meilleurs couples que voici. And we are introducing you the competing couples. The Old English Sheepdog, the Shetland Sheepdog, Shetland Sheepdogs, Welsh Corgi Pembroke, the Czechoslovak Wolf Dog, the Australian Shepherd, the Bull Mastiff, the Jack Russell Terrier, Staffordshire Bull Terrier couples, Standard Smooth Hair Dachshund, Standard Wire Hair Dachshund, Alaskan Malamutes, the Klein Spitz, the Chow Chow, Black and Tan Coonhound, Beagles, Rhodesian Ridgebacks, the Short-Haired Hungarian Vizsla, the Medium Poodle Fawn, the Pugs, the French Bulldogs, the Shih Tzu, and the Irish Wolfhounds are the last couple to compete for the best couple of the day. Voilà donc toutes les couples sélectionnés et inscrits sont maintenant sous les yeux de Monsieur Stefanescu qui va en sélectionner 6 et ensuite nous donner son classement définitif. Donc, comme vous le voyez, tous les groupes sont représentés dans ce jugement de la classe des couples. Donc, cette classe qui est représentée par deux chiens de même race, bien entendu, appartenant au même propriétaire et qui est composé d'un mâle et d'une femelle, donc avec un peu de dimorphisme sexuel en général, c'est-à-dire le mâle étant un peu plus d'une taille un peu plus importante que la femelle. Voilà, après un premier tour d'honneur, Monsieur Stefanescu va nous indiquer qu'il sélectionne les chiens loups tchécoslovaques, les boules mastifs, les Alaskan Malamutes, les Rhodesian Ridgebacks et les Vizsla et les Pugs. Voilà, merci, félicitations à tous les autres. Vous pouvez quitter le ring d'honneur par la porte, par le côté opposé, s'il vous plaît. C'est donc parmi ces 6 couples que M. Stefanescu va faire évoluer devant lui et va les classer ensuite.
Voilà, donc successivement, chaque couple va effectuer un aller-retour, un up and down devant Monsieur le juge. Now we have the selection of six best couples. The Czechoslovak Wolf Dog representing FCI Group 1 competing for the best couple. Donc les chiens loups tchécoslovaques qui, après un aller-retour, font un grand tour du ring sous le regard et l'appréciation de Monsieur Stefanescu. Les suivants, s'il vous plaît, vous pouvez vous avancer. Couple of the bull mastiffs. Le couple de bull mastiffs qui évolue devant Monsieur Stefanescu, même mouvement, un aller-retour, une petite position statique devant Monsieur le juge et le grand tour du ring. Et vous pouvez applaudir l'évolution de chacune de ces couples, de chacun de ces couples. Voilà, les Alaskan Malamut ensuite s'avancent devant Monsieur le juge. Et effectue aussi un aller-retour. Une position statique devant le juge et un grand tour du ring. S'il vous plaît, avec vos applaudissements pour les accompagner. These were the Alaskan Malamutes. And now a couple representing FCI Group 6. The Rhodesian Ridgeback. Donc, issus du sixième groupe de la FCI, les Rhodesian Ridgeback, également sélectionnés. And now, a couple from FCI Group 7, the Hungarian Short-haired Pointing Dogs. Quite well known as the Magyar Vizsla. Et donc, dernier couple sélectionné par Monsieur Stefanescu, les Magyar Vizsla à poil court. Non, il y a encore les Pugs, donc les Carlins, qui sont bien cette fois le dernier couple sélectionné et vu dans son mouvement par Monsieur Stefanescu. Voilà le classement. Troisième position, s'il vous plaît, dès que Monsieur Stefanescu sera prêt pour les accueillir, le couple de Bull Mastiff, qu'on applaudit très fort. Third place for the couple of Bull Mastiffs. Deuxième position pour le couple d'Alaskan Malamut. Second place for the Alaskan Malamutes. Et première place pour le couple de Carlin, s'il vous plaît, sur le podium. The winners of the best couple competition, the Pugs. Donc premier podium de l'après-midi avec
un superbe couple de Carlin sur la première marche du podium, des Alaskan Malamute en deuxième position et des Bull Mastiff, en troisième position. Vous pouvez les applaudir. Ils le méritent. Let's go on with the next competition, and that would be the Best Breeders Group. I would like to introduce our judge. He is coming from Portugal. Please welcome Mr. Zeferino Silva. Et pour les chiens, donc un premier groupe d'élevage, si vous voulez bien y aller, les bergers australiens. Staffordshire Bull Terrier. Bulldog français. Schnauzer nain blanc. Et c'est tout? That's all? Sont composés d'au moins trois chiens qui portent le même affixe ou le même préfixe et qui vont effectuer successivement un aller-retour dans l'axe de la caméra, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour la retransmission sur YouTube. So we have the first of the breeders groups competing, the Australian Shepherds. The breeders group competition is open to a group of the dogs that are bred by the same person, 3 to 5. It can be a mix of males and females. They do not have to be owned by the same person, but the breeder is the same. These are the Staffordshire Bull Terriers. Donc les Staffordshire Bull Terrier qui évoluent devant Monsieur le juge. Monsieur Zeferino Silva. Et enfin les bulldogs français. And after the group of the French bulldogs, we will see one more breeders group. Miniature Schnauzers White. Donc les Schnauzers nains blancs qui sont quatre et qui font le grand tour du ring sous vos applaudissements, s'il vous plaît, et sous les yeux de Monsieur Silva. Best Breeders Group. The third place goes to the group of French Bulldogs. Bulldog français, troisième position. Second place for the Staffordshire Bull Terriers.
Staffordshire Bull Terrier Staffy en deuxième position. The best breeders group today is Miniature Schnauzer White. Donc podium pour cette classe des groupes d'élevage avec sur la première marche les Schnauzer nains blancs, en deuxième position les Staffy et en troisième position les Bulldogs français. Alors, je vous allez vous accueillir sous vos applaudissements pour juger la classe des Minor Puppy, des chiots, Mrs. Marjorie Martorella, qui nous vient des USA. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Mrs. Marjorie Martorella. We have the puppies competing, the Boceron, the Shetland Sheepdog, the Pumi. Dutch Shepherd Short-haired. Grey Dane Fawn. The Bulldog. The Brazilian Terrier, the American Staffordshire Terrier, the Border Terrier, the Siberian Husky, Pomeranian, Eurasian, Shiba, the Beagle, the Dalmatian, the Rhodesian Ridgeback, the Irish Red Setter, Flat-coated Retriever, the Welsh Springer Spaniel, the American Cocker Spaniel, the Barbed, Lagotto Romagnolo. These are the minor puppies of up to 6 months of age competing for the best minor puppy at the show today. Voilà donc cette classe importante aujourd'hui des minor puppies, donc des chiens âgés entre 4 et 6 mois. Qui vont être donc jugés dans quelques instants par Madame Martorella, qui va en retenir, comme à chaque jugement, 6 pour être ensuite examinés individuellement. Le dog allemand est sélectionné, le bulldog anglais est sélectionné. Le Siberian Husky est sélectionné. Le Dalmatien également. Et le dernier est donc l'Eurasier
et on remercie tous les autres pour votre participation, tous des jeunes chiens que nous reverrons probablement demain ou dans d'autres expositions. Sur les podiums, ce sont le futur de nos expositions. Congratulations to all the other puppies. It's probably their very first show experience. They are only less than 6 months old. This is the Great Dane Fawn. Voilà, tous ces chiens qui ont donc moins de 6 mois au jour d'aujourd'hui, qui sont donc des débutants pour la plupart, et donc le Danois Dog Allemand Fauve qui évolue devant Madame Martorella. And now competing for the best minor puppy at show, the English Bulldog. Le Bulldog anglais également en compétition pour cette classe des bébés. The best minor puppy in the breed, American Staffordshire Terrier. Voilà, donc issu du troisième groupe de la FCI, l'American Staffordshire Terrier, l'Amstaff. And the minor puppy, Siberian Husky. Le Siberian Husky, représentant le cinquième groupe de la FCI, Siberian Husky. Learning how to behave in the big main ring with the lights and all the sounds, the Dalmatian minor puppy. Voilà, donc le Dalmatien, qui est probablement l'un des plus jeunes chiens en compétition pour cette classe des minor puppies. Oui, il n'a pas encore toutes ses taches noires. And the last but not least, out of our selection of minor puppies, the Eurasian. Et donc, représentant toujours le cinquième groupe de la FCI, voici l'Eurasier, que vous pouvez applaudir très fort. On attend Madame Martorella sur le podium et elle va y accueillir dans quelques instants, devant le chiffre 3 en troisième position, l'American Staffordshire Terrier, troisième. Third place is for the American Staffordshire Terrier. Deuxième place
pour l'Eurasier. Second place for the Eurasian. Et première place pour le Siberian Husky. Best minor puppy in show, judged by Mrs. Marjorie Martorella from the USA, is the Siberian Husky. So the photographers have done their job taking pictures of our lovely minor puppies, and we go on with the Best in Show Puppy competition. I would like to introduce our judge, our guest from Poland, Mrs. Ina Małecka. Et le premier chien sera un berger allemand à poil le long, suivi d'un Old English Sheepdog Bobtail, d'un collet à poils longs, d'un chien de berger hollandais à poils courts, d'un berger australien, bouvier bernois, un bouvier de Lettlenburg, un terrier brésilien, Parson Russell Terrier, Scottish Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Teckel standard à poil dur, Teckel nain à poil ras, Siberian Husky, Akita Inu, American Akita, Shiba Inu, Beagle, Dalmatien, Rhodesian Ridgeback, Braque de Weimar à poil court, English Pointer, Flatcoat Retriever, Welsh Springer Spaniel, Lhasa Apso, Cavalier King Charles Spaniel, Papillon, Bulldog Français, Saluki, Petit Lévrier Italien et un Cocker Spaniel Anglais. C'est tout pour cette classe. Competing for best puppy are the puppies of 6 to 9 months of age that have been winning the best puppy within their breeds today. Voilà, donc ces chiots encore, comme on peut les appeler, que vous voyez devant vous, sont âgés entre 6 et 9 mois et ont bien sûr été choisis ce matin dans leur classe individuelle comme meilleur pupille. Et Mrs. Maleka va donc effectuer un premier choix des 6 qu'elle estime les plus représentatifs. Out of this huge competition in puppies, our judge will still need to select 6. Le berger australien est sélectionné, le bouvier bernois est sélectionné. Le Shiba Inu est sélectionné, le Braque de Weimar est sélectionné. Et le Lhasa Apso est sélectionné. Voilà
donc pour les six, et on remercie tous les autres participants à ce jugement. On vous remercie, on espère vous retrouver demain. Vous avez tous d'excellents chiens qu'on reverra avec plaisir sur nos rings, puisque eux aussi sont l'avenir de la cynophilie. Laissons-les grandir et ils deviendront champions. And let's go on with introducing you the competing puppies, the six best puppies to you on the move. The Australian Shepherd. Voilà, donc le premier choix de Madame Maleka a été le berger australien qui vient d'évoluer devant vous. Best puppy in the breed, the Bernese Mountain Dog. Voilà le représentant d'une des races nationales suisses, et vous pouvez l'applaudir très fort, donc le Bouvier Bernois. The Shiba, representing FCI Group 5. Voilà le Shiba Inu, représentant le cinquième groupe de la FCI. The best puppy, Weimaraner Shorthaired. We had around 1,600 entries to the show today, and you see that the puppy class is really, really very popular, and it's full of competing beautiful puppies. And now, the pointer. Voilà donc le pointer anglais, représentant également le septième groupe de la FCI. One of the selected puppies on the move, the Lhasa Apso. Et donc le dernier des six sélectionnés, Pharmacis Maleka, le Lhasa Apso du 9e groupe de la FCI. The results in puppy best in show. Third place goes to the Shiba. Shiba Inu, troisième position. Second place goes to the Pointer. Le Pointer anglais en deuxième position. And the winner is... The winner, best puppy in show, is the Weimaraner Shorthaired. Donc les trois chiens sur le podium sont le braque de Weimar, choisi par Mrs. Maleka,
en deuxième position le pointer anglais et en troisième position le Shiba Inu. Voilà pour les chiots encore, on peut les appeler comme ça, entre 6 et 9 mois. Félicitations à vous et merci Madame Maleka. Alors, pour juger la classe des jeunes chiens, on va accueillir Madame Olga Kuprianova Sinko, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, qui nous vient de Slovénie. In the middle of the main ring, please. Et il y aura donc deux séries, puisqu'il y a beaucoup de jeunes chiens, donc une première série des chiens du premier au cinquième groupe. And we will now have juniors coming into the ring from the first five groups. So let's start. The Old English Sheepdog, the Bearded Collie, the Border Collie, the Shetland Sheepdog, the Welsh Corgi Pembroke, the Czechoslovak Wolf Dog, the White Swiss Shepherd, the Australian Shepherd, Miniature Pinscher, Giant Schnauzer Black, Schnauzer Black, Russian Black Terrier, the Boxer, the Mastiff, the Bull Mastiff, the English Bulldog, Cane Corso Italiano, Continental Bulldog, the Newfoundland, San Bernard Shorthaired, the Tibetan Mastiff, the Appenzeller Cattle Dog, Bernese Mountain Dog, Great Swiss Mountain Dog, the Brazilian Terrier, the Fox Terrier Smooth, the Fox Terrier Wire, the Parson Russell Terrier, Irish Soft Coated Wheaton Terrier, Cairn Terrier, the Jack Russell Terrier, the West Highland White Terrier, the Miniature Bull Terrier, the Staffordshire Bull Terrier, and now the Dachshunds, the Standard Smooth, miniature Dachshund Wire-haired, the Rabbit Size Smooth, the Rabbit Size Wire-haired. Now just a little place for the longer legs. And we have the Canadian Eskimo Dog, the Samoyed, the Alaskan Malamut, the Siberian Husky, the Akita, Pomeranian, the Japanese Spitz, the Shiba, the Shikoku, Basenji,
Mexican hairless standard size. Voilà, donc tous les chiens de la classe jeune des groupes 1 à 5 de la FCI sont maintenant sur le ring d'honneur. Ils sont très nombreux et Madame Cinco va en choisir 10 qui resteront sur le ring et ensuite nous pourrons introduire les jeunes des groupes 6 à 10. The Junior Best in Show competition is always the most difficult to judge when we want all of them in the main ring. So here at the Geneva Dog Shows, every year we split them by half. So you see the juniors now only from the first 5 FCI groups. Our judge will make a selection of 10 out of these, and then another 10 from the other 5 groups. Donc cette compétition des jeunes est une des plus difficiles à juger puisque elle a de nombreux prétendants. Le Welsh Corgi est sélectionné. Le berger australien est sélectionné également. Voilà, vous installez ici et on pourra introduire les suivants des groupes. Mastiff est sélectionné. Bulldog anglais. Rabbit-sized wire-haired dachshund and the miniature wire-haired dachshunds are making it into the shortlist. Donc les deux teckels à poils durs, le miniature et le standard sont sélectionnés. Le West Island White Terrier est sélectionné. Et le Fox Terrier à poil lisse est sélectionné également. 10 dogs. Et le chien du Mexique est sélectionné. Ainsi que le. Non. Le Basenji peut-être. Voilà, vous vous positionnez devant le podium et on va pouvoir introduire la deuxième série, les chiens des groupes 6 à 10. As soon as the ring is ready, we will introduce to you and to our judge, Mrs. Olga Kuprianova-Shinko, the juniors from FCI groups 6 to 10. Voilà, donc la deuxième série va pénétrer sur le ring d'honneur dans quelques instants. And we have Petit Basset Griffon Van Dan. The Beagle. The Dalmatian. The Rhodesian Ridgeback. The Weimaraner Shorthaired. Hungarian wire-haired pointing dog, the pointer, the English setter, the Gordon setter, the Nova Scotia duck-tolling retriever,
the flat-coated retriever, the golden retriever, Chesapeake Bay retriever, Labrador retriever, English Cocker Spaniel, English Springer Spaniel, Lagotto Romagnolo, Portuguese Water Dog, Bichon Frise, Medium Poodle Silver, Miniature Poodle Black, the Toy Poodle, Griffon Bruceloa, the Chinese Crested Dog, the Shih Tzu, the Tibetan Terrier, the Chihuahua Long Hair, the Chihuahua Smooth Coat, Cavalier King Charles Spaniel, the Papillon, the Pug, the French Bulldog, the Boston Terrier, and now we need a little more space for group 10 breeds, and we start with the Afghan Hound, the Saluki, the Irish Wolfhound, the Whippet, and the Italian Sidehound is the last one of the juniors from FCI groups 6 to 10 to compete for the Junior Best in Show. Voilà, toujours pour en compétition pour le Junior Best in Show, les chiens des groupes 6 à 10 qui sont nombreux également et que Madame Olga Kuprianova Cinco est en train d'examiner. Dans cette deuxième série, elle va également sélectionner 10 qui vont rejoindre les 10 des groupes 1 à 5. Et parmi ces 20, elle choisira donc ses 6 meilleurs ensuite. Laissons-lui le temps d'examiner tous ces superbes chiens, je vous rappelle, âgés entre 9 et 18 mois maximum au jour de l'exposition. Beagle est sélectionné. Le Rhodesian Ridgeback est sélectionné. Le Pointer anglais est sélectionné. Le Setter anglais est sélectionné également. Spaniel sélectionné, chien d'eau portugais également, le terrier du Tibet, Tibetan terrier, Chihuahua à poil court, le Carlin, le Pug,
l'Irish Wolfhound. Et c'est tout pour les 10 chiens sélectionnés par Madame Cinco. Remerciements, félicitations à tous ceux qui sortent. Vous avez tous de beaux chiens, de superbes chiens même, puisqu'ils ont été classés comme meilleurs juniors dans leur race respective ce matin. Et on vous dit à demain. And we will line up our juniors group by group, the finalists that our judge chose, to make it more logical. And then she will make a selection of 6 out of these. Voilà, donc notre ami Joey là va placer les chiens par groupe, du groupe 1 au groupe 10. Certains groupes sont beaucoup plus représentés que d'autres, et ainsi Madame Kuprianova Cinco va pouvoir avoir une vue panoramique sur l'ensemble des 20 chiens sélectionnés. Et c'est maintenant 6 qui vont être choisis par elle pour la finale. Beautiful juniors from all 10 FCI groups. They are 9 to 18 months of age. And now, in the selection of 6, we have the Australian Shepherd, English Bulldog, the West Highland White Terrier, the Basenjee, and we will need 2 more. The Portuguese Water Dog and the Tibetan Terrier, the 6 best juniors in our show. Les 6 sélectionnés sont maintenant choisis et sous les ordres de Madame Cinco. Et encore une fois, félicitations à ceux qui sortent. Mais applaudissements pour le berger australien représentant le premier groupe de la FCI. Premier choix donc de Madame la juge. Best junior within the breed, the Australian Shepherd. Et représentant donc le deuxième groupe de la FCI, le Bulldog anglais, qui va lui aussi effectuer un up and down devant Madame Cinco. Et face caméra, s'il vous plaît. The best junior, English Bulldog. He loves seeing himself on the big screen. Représentant le troisième groupe de la FCI, le West Highland White Terrier. The best junior West Highland White Terrier. Représentant le cinquième groupe de la FCI, le Basenjee. Basenjee.
septième groupe de la FCI, le chien d'eau portugais. Portuguese water dog. Et représentant le neuvième groupe, donc le terrier du Tibet. Voilà, donc c'est parmi ces six superbes juniors que Madame Kuprianova Sinko va maintenant nous extraire les trois meilleurs, les trois qui vont monter sur le podium. So, the results in the best junior. Sur le podium, dans l'ordre. And in junior best in show today, third place goes to the Australian Shepherd. Berger australien, troisième position. Second place goes to the English Bulldog. Bulldog anglais en deuxième position et le meilleur est... And now the junior best in show is the Basenji. We would like to remind the winner of the Junior Best in Show that there is a Supreme Junior Best in Show competition on Sunday, so please be back on Sunday evening to compete for the Supreme Junior Best in Show. And now we go on with our oldest dogs competing for the Best in Show veteran. I would like to welcome our judge from Norway. Please put your hands together for Mr. Leif Herman Wilberg. Et nous allons lui proposer comme premier choix un bearded collie, suivi d'un collet à poils longs, un chien-loup tchécoslovaque, un schnauzer miniature blanc, un chien du Saint-Bernard à poils courts, un bouvier bernois, un Yorkshire terrier, un chien d'Esquimau canadien, un Alaskan malamute, un Spitz loup, un chouchou noir bleu, un Eurasier, un Spitz japonais, un beagle, un dalmatien, Chesapeake Bay Retriever, cocker spaniel anglais, Welsh
Springer Spaniel, Bichon Maltais, Shih Tzu, Chihuahua à poil long, Cavalier King Charles Spaniel, Papillon, Carlin, Saluki, Whippet, et c'était le dernier participant pour cette classe des vétérans. These are our best veterans within their breeds competing for the best in show veteran. According to the FCI rules, they are all older than 80 years of age. Alors, tous les chiens qui sont devant vous sont âgés d'au moins 8 ans au jour de cette exposition. Il n'y a pas d'âge maximum, mais le minimum est de 8 ans pour participer à cette classe vétéran. Et s'il y avait plusieurs chiens dans la même race inscrits dans la classe vétéran, c'est bien entendu le meilleur qui vous est présenté cet après-midi. Et monsieur Leif Herman Wilberg de Norvège va dans quelques instants sélectionner les 6 meilleurs vétérans du jour. Yes, we will see 6 selected veterans out of all these beautiful dogs in a lovely condition. C'est vrai que tous ces vétérans sont en excellente condition et probablement beaucoup d'entre eux pourraient encore prétendre au CACIB dans beaucoup d'expositions. Alors le Saint-Bernard est sélectionné, le Bouvier Bernois également est sélectionné. Dalmatien est sélectionné. Chesapeake Bay Retriever, Chihuahua et le Whippet. Merci de la part de Monsieur Wilberg et à tous les autres participants. Et c'est donc le chien de l'abbaye du Grand Saint-Bernard dans sa variété à poil court, représentant le deuxième groupe de la FCI, qui va dans quelques instants évoluer devant Monsieur Wilberg. So let's see the 6 selected veterans on the move. The Saint-Bernard Short-haired. Voilà donc le Saint-Bernard à poil court, suivi du Bouvier Bernois. The best veteran Bernese Mountain Dog. Qui fait également le grand tour du ring, donc. De la FCI, le Dalmatien. On the move is the best veteran Dalmatian. Représentant le 8e groupe de la FCI. Le Chesapeake Bay Retriever.
Chesapeake Bay Retriever. Présentant le 9e groupe de la FCI, le Chihuahua dans sa variété à poil long. Also competing for the best veteran in the show, the Chihuahua Longhaired. Et dernier sélectionné, représentant le 10e groupe de la FCI, le Whippet. Toujours dans cette catégorie des chiens de plus de 8 ans, les vétérans. The last one out of our selection of veterans, the Whippet. Monsieur Wilberg va donc accueillir sur le podium les trois chiens qu'il a sélectionnés. And here we are with the results for the best in show veteran. Third place goes to the Dalmatian. Le Dalmatien en troisième position. Second place today is for the Whippet. Le Whippet sur le podium en deuxième position et le meilleur est the best veteran in show, the Chihuahua Longhair. Voilà donc, selon le choix de Monsieur Wilberg, c'est le plus petit des vétérans, le Chihuahua à poil long, qui l'emporte. En deuxième position, le Whippet, et en troisième position, le Dalmatien. Expo has modern extensive premises conveniently located at the heart of Europe. Let's have a tour and discover it. You can access Palexpo by any means you please. The International Coindrin Airport is across the road. Cornavin train station is a short ride away. This puts us 1 hour from Paris, London, Frankfurt or Zurich, and 6 from Dubai or 10 from Beijing. Do you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes?
Brit Care offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit. Voilà, nous allons donc continuer ce programme par les jugements individuels et commencer par le choix du meilleur chien adulte du premier groupe. Et j'appelle Madame Janine Bowie-Wenger de Suisse, que vous allez applaudir très fort. Voilà, merci de l'applaudir très fort, Madame Janine Bowie-Wenger. Competing for best in group one, we have Australian Kelpie, the Belgian Shepherd Malinois, the Belgian Shepherd Tervuren, the Skipperke, the Briard, the German Shepherd Double Coat, German Shepherd Long Coat, the Old English Sheepdog, the Bearded Collie, the Border Collie, Collie Rough, Collie Smooth, the Shetland Sheepdog, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, the Miniature American Shepherd, Polski Owczarek Nizinny, the Czechoslovak Wolf Dog, the Catalan Sheepdog, the White Swiss Shepherd Dog, the Dutch Shepherd Short-haired, the Dutch Shepherd Rough-haired, the Australian Shepherd, Bouvier de Flandre, and the Bosseron. The best of breed winners within FCI Group 1 competing for best in Group 1. Voilà donc tous les meilleurs adultes du premier groupe de la FCI qui sont maintenant sous le jugement de Madame Bowie-Wenger qui va, comme ses collègues précédents, choisir les 6 les plus représentatifs. Tous ces chiens ayant bien entendu dans leur race respective ayant été choisis comme meilleurs de race ce matin. The sheep dogs and shepherd dogs within FCI Group 1 and also the cattle dogs except of the Swiss cattle dogs. Now we have the Bouvier de Flandre, the Czechoslovak Wolf Dog, le Corgi Pembroke, le Bobtail, le Bearded Collie, et le Schipperke. Voilà, merci à tous les autres participants, merci, et on vous dit pour la plupart à demain, je pense. Vous avez tous d'excellents chiens et demain sera peut-être votre jour. Alors, donc les 6 sélectionnés vont maintenant s'élancer pour un aller-retour et un grand tour du ring devant Madame la juge. So let's see the 6 best dogs within
FCI Group 1. The Best of Breed winner, Bouvier de Flandre. Voilà, le Bouvier des Flandres, suivi du Chien-Loup tchécoslovaque. And now the Best of Breed winner, the Czechoslovak Wolf Dog, Československý Vlčiak. Par le Old English Sheepdog Bobtail. The breed, known in Europe as the Bobtail, the official name of the breed is the Old English Sheepdog. The Best of Breed winner, Old English Sheepdog. Les corgis sont représentés par la variété Pembroke, donc qui va s'élancer maintenant devant Madame la juge. The Best of Breed winner, Welsh Corgi Pembroke. Collet barbu, également dans son aller-retour. For most of the sheepdogs and shepherd dogs, it's typical a low head carriage and a low tail carriage. This was the Best of Breed winner, the bearded collie. Le Schipperke qui nous vient de, dont l'origine est belge, qui effectue lui aussi un aller-retour et un grand tour du ring devant Madame la juge. The smallest representative of the FCI Group 1, the Schipperke. We will soon know the results of FCI Group 1, which will give us the first finalist of the Best in Show for tonight. Alors, vont rejoindre sur le podium Madame Janine Bowie-Wenger dans quelques instants. En troisième position, le Schipperke. Third place for the Schipperke. Deuxième position pour le Bobtail. Second place for the Old English Sheepdog. Et première place pour le Bouvier des Flandres. FCI Group 1, we have the Bouvier de Flandre, and we are going to see him again in this lovely main ring tonight, competing for the Best in Show.
we go on with the FCI group 2. The best in this group is going to be chosen by the judge, that those of you that are coming year after year to the Geneva Dog Show always notice her here. You cannot miss her presence. She is really working hard at the Geneva Dog Show's organizing team. She has been judging this afternoon her favorite group, FCI Group 2. Please welcome our judge from Switzerland, Mrs. Loredana Salina. Et un chien de ferme, on peut y aller, chien de ferme d'anneau suédois comme premier choix, suivi d'un Doberman noir et feu, d'un Pinscher, d'un Schnauzer moyen noir, oui, le voilà, d'un miniature poivre et sel, d'un miniature noir, Schnauzer miniature blanc, Tchorny terrier, terrier noir de Russie, Dog de Bordeaux, Dog allemand Bringer, Dog allemand noir, Dog allemand bleu, oui, le noir est déjà passé, Boxer, Rottweiler, Mastiff, Bull Mastiff, Bulldog anglais, Cane Corso, Prezza Canario, Bulldog continental, le Torniac, le Terre-Neuve, le Landseer, l'Ovawart, le chien de berger du Caucase, le Saint-Bernard à poil court, suivi du Saint-Bernard à poil long, le Mastiff du Tibet, le Bouvier d'Appenzell, le Bouvier bernois, le Bouvier de Lentlenburg et dernier représentant des races suisses, le Grand Bouvier suisse. Voilà pour les meilleurs adultes du deuxième groupe de la FCI. Sous le jugement de Madame Loredana Salina, qui va là aussi choisir les 6 meilleurs représentants. As usual, the strongest of the FCI groups at most of the dog shows, FCI Group 2. And go ahead with the selection. Oui, le Schnauzer nain noir est sélectionné, visiblement. Le Bulldog anglais est sélectionné. Le Terrier noir de Russie aussi est sélectionné. Le Terre-Neuve est sélectionné. Le Landseer est sélectionné. Le Bouvier bernois est sélectionné et je pense qu'on a atteint les 6 sélectionnés. Vous suivez les ordres de notre ami Joe pour vous placer. Félicitations à tous ceux qui sortent, tous meilleurs de race ce matin, cet après-midi plutôt, sous les jugements individuels. Et c'est donc le Schnauzer nain noir qui est examiné en première position
par Madame Loredana Salina. The best of breed winner, the miniature schnauzer black. Competing now for best in group one, two. Terrier noir de Russie se présente maintenant. And now competing for best in group two, the Russian Black Terrier. Even this is a huge group, and our judge quite quickly selected her six dogs, but I'm assuring you that she has prejudged all of them in the pre-ring, and that's what is happening with all of the competitions. We have a beautifully functioning pre-ring, and all the groups, all the competitions are being carefully prejudged there by our judges. So it really is very important to be in time in the pre-ring. Voilà, on demande donc à tous les chiens sélectionnés dans les groupes suivants chez les adultes, donc 3e, 4e, 5e groupe, de se préparer pour être à temps dans le pre-ring. Donc n'attendez pas la dernière minute, les juges sont prêts à faire leur examen dans le pré-ring. Ne les faites pas attendre. On ne vous attendra pas. Le Terre-Neuve se présente devant Madame Salina. Best of breed winner, Newfoundland. Des races suisses retenues dans ce, pour ce deuxième groupe. Vous l'avez reconnu, il s'agit du Bouvier bernois. Now on the move, down and back, the Bernese Mountain Dog. Livrée noire et blanche, vous l'avez reconnu, il s'agit du Landseer. And the Landseer. Les six meilleurs adultes du deuxième groupe ont été évalués et le verdict.
And we have the results in FCI Group 2. The third place goes to the Newfoundland. Terre-Neuve, troisième position accueillie par Madame Salina sur le podium. Second place goes to the miniature black schnauzer. Le schnauzer nain noir en deuxième position. And the winner is... The winner of FCI Group 2 is the English Bulldog. Le Bulldog anglais. Et le bulldog anglais, donc, sur la première position. Le schnauzer nain noir en deuxième position. Et le Terre-Neuve, troisième de ce classement du deuxième groupe pour les adultes aujourd'hui, sous le jugement de Madame Loredana Salina. And we will soon be starting with FCI Group 3. Voilà, nous allons accueillir, vous allez accueillir sous vos applaudissements Monsieur Dusan Paunovic qui nous vient de la République serbe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Big applause for him. Pour juger les chiens du troisième groupe. And the best of breed winners competing for best in group 3. The Brazilian Terrier. The Airedale Terrier. The Bedlington Terrier. Fox Terrier Smooth, Fox Terrier Wire, the Lakeland Terrier, Parson Russell Terrier, Irish Soft Coated Wheaton Terrier, the Irish Terrier, the Kerry Blue Terrier, Cairn Terrier, the Dundee Dinmont Terrier, the Jack Russell Terrier, the Scottish Terrier, the Sealyham Terrier, the Skye Terrier, West Highland White Terrier, the Bull Terrier, Miniature Bull Terrier, the Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Australian Silky Terrier, and the Yorkshire Terrier. These are the best of breed winners from FCI Group 3. Voilà donc tous les meilleurs adultes du troisième groupe de la FCI sont maintenant sur le ring d'honneur sous le regard de Monsieur Dusan Paunovic qui va, comme précédemment, choisir les six meilleurs. L'Airedale Terrier est sélectionné. Le Scottish est sélectionné. Le Dundee Dinmont est sélectionné, le Westie est sélectionné,
le bulldog anglais est sélectionné et le Yorkshire terrier est sélectionné également. Lerdal s'avance, face caméra s'il vous plaît, bien dans l'axe de la caméra. Voilà Lerdal, premier choix de monsieur Paunovic, suivi d'un grand tour du ring. The best of breed winner, Lerdal Terrier. Dandy Dinmont Terrier. Voilà le Scottish Terrier ensuite. Both the black and the white. Now the Scottish Terrier best of breed. And après le black, nous avons le white, West Island White Terrier. S'avancer. Voilà, bien en, voilà, en direction de la caméra, s'il vous plaît. Now the best of breed winner, the Bull Terrier. Smallest representative of FCI Group 3, the Yorkshire Terrier. Et le dernier des sélectionnés pour le meilleur du troisième groupe de la FCI, vous l'avez reconnu, il s'agit du Yorkshire Terrier. And once again on the move around the ring together for the six best terriers competing for best in group three. Sure, you have noticed we are working with iPads, we are online, and then we have the results right away after the competition on the big screen and in the live streaming. And here we go. La troisième place va rejoindre monsieur Paunovic sur le podium. Il s'agit du West Island White Terrier, troisième. Third place for the West Highland White Terrier. Deuxième, le Bull Terrier.
standard. Second place for the Bull Terrier. Et première place pour le Scottish Terrier. The winner of FCI Group 3 is the Scottish Terrier. And we can go on with Best in Group 4. Before we introduce to you the Best of Breed winners, I would like you to welcome our judge. Coming from Italy, please welcome Mrs. Viviana Nodali. En compétition, donc le teckel standard à poil ras, suivi d'un teckel standard à poil long, toujours chez les standards, le poil dur. Teckel nain à poil ras, teckel nain à poil dur, Canincheon teckel à poil ras, Canincheon teckel à poil long et le poil dur. C'était le dernier chien en compétition pour cette catégorie du quatrième groupe. We have 8 best of breed winners, while the FCI is recognizing 9 varieties of the Dachshund competing for separate best of breeds. Ah, donc chez les Teckel, on peut avoir au maximum 9 chiens dans le ring d'honneur. On en a 8 aujourd'hui, ce qui est assez remarquable. Alors, le standard à poil court, le standard à poil dur. Standard smooth hair dachshund. Alors les 6 sélectionnés donc en première comme premier choix le teckel standard à poil ras. Toujours dans la même catégorie des standards, le poil dur cette fois. The standard wire hair dachshund. Le suivant donc le nain à poil ras. Qui fait le grand tour du ring également. The miniature smooth hair dachshund. Le teckel nain à poil dur ensuite.
signature wire hair dachshund. Miniature sounds like it's the smallest one, but it's not. It's the medium size of the dachshunds. And now we go to the smallest ones. Et donc, les plus petits par la taille, il s'agit du Canninchon à poil ras. So the rabbit-sized smooth-haired dachshund. Et suivi du Canninchon à poil dur. The rabbit-sized wire-haired dachshund. We have seen the six best dogs within this group, and let's take the results. It always takes a lot of concentration not to make a mistake in the group four, in the dachshunds with the size and coats. Well, here we go with the third place. Miniature wire-haired dachshund number three. Teckel standard à poil dur. Second place goes to the rabbit-sized wire-haired dachshund. Canninchon à poil dur, s'il vous plaît. Deuxième position. And the winner is also wire-haired, the wire-haired standard dachshund. Voilà donc les trois sélectionnés qui appartiennent tous, comme vous pouvez le remarquer, à la catégorie des poils durs. Donc le standard à poils durs sur la première position. En deuxième position, le Canninchon à poils durs. Et en troisième position, le nain à poils durs. Voilà. Merci Madame Nodali pour ce jugement et félicitations aux trois heureux lauréats. Alors, vous allez maintenant accueillir pour juger, pour choisir les trois meilleurs du cinquième groupe, Monsieur Ashley Ride, qui nous vient d'Australie, s'il vous plaît. Monsieur Ashley Ride. Best of breed winners in FCI Group 5. The Canadian Eskimo Dog. The Samoyed, the Alaskan Malamute, the Siberian Husky, the Finnish Laphund, the Swedish Valhund, the Wolfspitz, the Kleinspitz, Black
Kleinspitz, other colors, the Pomeranian, the Eurasian, the Akita, the American Akita, the Japanese Spitz, the Shiba, the Shikoku, the Basenji, the Pharaoh Hound, Mexican Hairless Standard Size, Mexican Hairless Miniature, Peruvian Hairless Dog Large, Portuguese Podengo Small Smooth Haired is the last one competing for best in group 5. Voilà, donc tous les adultes, tous les meilleurs adultes sélectionnés ce matin dans les différentes races du cinquième groupe sont maintenant sur le ring d'honneur sous le jugement de Monsieur Hyde, qui va donc en choisir 6, les 6 meilleurs. We have the FCI Group 5, the Spitz breeds and the so-called primitive breeds. Samoyed, l'Alaskan Malamute sont sélectionnés. Le Pomeranian également. L'Akita américain. Le Basenji et le chien nu du Mexique. Voilà, merci à tous les autres participants. Bien entendu, tous d'excellents chiens et qu'on reverra avec plaisir demain pour cette deuxième journée des Expos internationales de Genève 2022. Le premier à s'élancer a été, vous l'avez reconnu, avec sa belle livrée blanche, le Samoyed. And competing in the selection for best in group 5, this is the Samoyed, the best of breed winner. L'Alaskan Malamute qui s'élance à son tour. Donc le Spitz Pomeranian qui évolue devant Monsieur Ashley Ride. The smallest breed within the group, the smallest variety of the German Spitz, this is the Pomeranian. Américain qui fait son aller-retour. The best of breed winner, American Akita. Et enfin le chien nu du Mexique. Dans sa variété standard, qu'on appelle généralement le Xolo, Xoloids Quintal.
the largest variety out of the three allowed for the Mexican hairless dog. Mexican hairless dog standard size. Sixième sélectionné, vous l'avez reconnu, il s'agit du Basenji. And the last one around the ring out of our selection, this is the Basenji best of breed winner. And the moment of truth in FCI Group 5. Alors, le troisième de ce cinquième groupe sera le Basenji. Third place for the Basenji. Deuxième, le Pomeranian. Second place is for the Pomeranian. Et le meilleur de ce cinquième groupe est l'Akita américain. FCI Group 5, the American Akita. I just checked the backstage if the pre-ring is ready and our judge is ready for best in group six, and he's teasing me with the Hungarian pronunciation, so keep your fingers crossed for me that I pronounce his name well. To judge best in group six, I would like to welcome our colleague from Hungary, Mr. György Tesic. Bloodhound peut s'avancer. Voilà, suivi du Grand Gascon Saint-Ongeois, du Conhound, du Gonski Polski, du Slovenski Kopov, le petit basset Griffon Vendéen, le basset Hound, le Beagle, le Dalmatien et le Rhodesian Ridgeback. Et c'est tout pour les meilleurs chiens de ce groupe, du sixième groupe. Considering the sign language of our judge, I did not do very well pronouncing his name. I promise to learn until the end of the weekend. We still have two more international dog shows going on and two more live streams, so we can improve. And here we are with the best of breed winners from FCI Group 6. Alors, le Bloodhound est sélectionné.
the Grand Gascon Saint-Angeois. Le Grand Gascon Saint-Angeois également, le Petit Basset. Le Petit Basset, le Beagle, le Rhodesian Ridgeback et le Basset Hound, je pense qu'on n'en a pas oublié. So let's see our six finalists. The first one on the move individually is the Bloodhound. Donc le Bloodhound, premier chien sélectionné dans ce sixième groupe. Du Grand Gascon Saint-Angeois. Well, some names of the breeds are not translated into English, so this is the breed that breaks the tongue of all the non-French speakers. So let's give it a try. On the move, it's the Grand Gascon Saint-Angeois. Very well, Linda. Chien français pour vous entraîner. Yeah, I'll try once more. Pardon my friends, the Petit Basset Griffon Vendéen. Petit Basset Griffon Vendéen. En français comme en hongrois, c'est parfait, Linda. Basset Hound. The best of breed winner, the Basset Hound. Beagle également en compétition pour ce meilleur chien du sixième groupe de la FCI. The best of breed winner, Beagle. Sélectionné dans ce sixième groupe de la FCI, vous l'avez reconnu, il s'agit du chien à épine dorsale à l'envers, il s'agit du Rhodesian Ridgeback. Rhodesian Ridgeback, best of breed winner. And we are ready to know the results. Place in FCI Group 6 goes to the Petit Basset Griffon Vendéen. Troisième, donc le Petit Basset Griffon Vendéen. Tout ça pour le même chien. Second place goes to the Basset Hound. Le Basset Hound, deuxième position. The winner of FCI Group 6 today is the Beagle.
Voilà donc ce podium du sixième groupe avec en première position un Beagle, en deuxième position un Basset Hound et sur la troisième marche du podium le petit Basset Griffon Vendéen. Alors, pour juger les meilleurs chiens du 7e groupe de la FCI, vous allez accueillir sous vos applaudissements M. Jan Roger Sauge, qui nous vient de Norvège, from Norway. Please. Big applause for him. And the best of breed winners from FCI Group 7, the Bourbonnais Pointing Dog, the German Shorthair Pointer, the Shorthair Weimaraner, the Shorthair Hungarian Pointer, Bracco Italiano, the Picardy Spaniel, the Small Münsterländer, Spinone Italiano, the Pointer, the English Setter, the Gordon Setter, the Irish Red Setter is the last one from FCI Group 7 for competing to compete for the best in group. Voilà, donc tous les meilleurs adultes du 7e groupe sont maintenant sous le regard de Monsieur Jan Roger Sauge, qui va également choisir, extraire de ce groupe les 6 meilleurs sujets dans quelques instants. Pointing dogs and setters in FCI Group 7, and here we have the selection. Le Weimar est sélectionné, le Madiar Vizsla, le Pointer, l'English Setter, le Gordon Setter et l'Irish Setter sont sélectionnés. Fast and efficient, we have the 6 best dogs in FCI Group 7. And now on the move, the Weimaraner Shorthaired. Voilà le braque de Weimar à poil court. Hein. Short-haired pointing dog, or the Magyar Vizsla. Voilà le Magyar Vizsla, toujours dans la variété à poil court. Et maintenant, on va passer chez les Britanniques. Après avoir vu les continentaux. With
the FCI standard number one. This is the English pointer. Le pointer anglais. Best of breed winner, the English setter. Le setter anglais qui fait son grand tour du ring. The best of breed winner, Gordon Setter. Voilà, toujours chez les Britanniques, donc le Setter Gordon. Irish Red Setter. Setter irlandais, sixième et dernier choix. Monsieur Saug. Yann Roger-Sauge va rejoindre le podium et y accueillir sur la troisième marche le pointer anglais. Third place for the English pointer. En deuxième position, le setter irlandais rouge. Second place for the Irish red setter. Et le meilleur du septième groupe est le Brac de Weimar à poil court. Best in FCI Group 7, the Weimaraner Shorthaired. We will wait a little bit for the proper pictures taken for the winners of FCI Group 7.
And we are almost ready for the next group, which is FCI Group 8. Now, another tongue-breaking name that I would be introducing right now. And I think I know how to pronounce the name of this lady coming from Poland today to choose the best in Group 8. Please welcome Małgorzata Wieremejczyk-Wierzchowska. Nova Scotia Duck Tolling peut s'avancer, suivi du Flatcoat Retriever, suivi du Golden Retriever du Labrador, le Chesapeake Bay Retriever, le Clumber Spaniel, English Springer Spaniel, le Field Spaniel, le Welsh Springer Spaniel, le Quaker Ongee, le Cocker américain, le Barbet, l'Irish Water Spaniel, le Lagotto Romagnolo, le chien d'eau portugais et le chien d'eau espagnol. Et c'était le dernier prétendant au titre de meilleur du 8e groupe de la FCI. FCI Group 8 divided into the sections, the retrievers, the flushing spaniels, and the water dogs. Flatcoat Retriever est sélectionné. Le Labrador est sélectionné. Welsh Springer sélectionné également. Troisième chien, le Quaker Ongee, le Barbet, le Lagotto Romagnolo. Voilà les six chiens retenus par Madame la juge et qui vont avoir droit à leur examen habituel. Un aller-retour suivi du grand tour du ring, s'il vous plaît. Et c'est parti pour le Flatcoat Retriever. The best of breed winner, flat-coated retriever. Il est suivi donc toujours pour le titre de meilleur du sixième groupe du huitième groupe de la FCI par le retriever du Labrador qui évolue devant Madame la juge. With the highest number of entries at most of the shows, and today also the Labrador Retriever. Voilà le Welsh Springer Spaniel. Qui va s'élancer à son tour.
Ah, c'est le Cocker américain qui avait été sélectionné et non pas le Quaker Hanji. Voilà le petit chien d'eau hollandais qui évolue. The best of breed winner, Quaker Hanji. And now, let's go on with the water dogs. Section representatives. The Barbet best of breed. Voilà donc une race originaire de France, il s'agit du Barbet. Gotto Romagnolo. Là, il nous vient d'Italie, celui-ci, donc le Lagotto Romagnolo. Cocker américain, donc dernier choix de Madame la juge. And the best of breed winner, American Cocker Spaniel. Results in FCI Group 8 are third place for the Lagotto Romagnolo. En troisième position, donc le Lagotto Romagnolo. Second place goes to the Welsh Springer Spaniel. Le Welsh Springer Spaniel, très applaudi. And the winner today is the Labrador Retriever. Voilà donc devant vous ce podium du 8e groupe de la FCI en ce premier jour d'exposition internationale de Genève, avec en première position le Retriever du Labrador, en deuxième position le Welsh Springer Spaniel, et sur la troisième marche du podium, le Lagotto Romagnolo. Merci à vous et félicitations. Alors, vous allez accueillir, cette fois sous un tonnerre d'applaudissements, une juge, je crois, qui n'a manqué aucune des expositions,
que ce soit celle de Lausanne, de Fribourg ou de Genève. Vous accueillez donc Madame Lisbeth Marr. Competing for best in group 9, the Bichon Frise, the Maltese, the Havanese, the Coton de Tulear, the Standard Poodle White, Standard Poodle Fawn, Medium Poodle White, Miniature Poodle Black, Miniature Poodle Fawn, the Toy Poodle, the Chinese Crested, the Lhasa Apso, the Shih Tzu, the Tibetan Terrier, the Chihuahua Long-haired, the Chihuahua Smooth-haired, the Cavalier King Charles Spaniel, the Pekingese, the Papillon, the Falen, Ruski Toy Long-haired, the Pug, the French Bulldog, and the Boston Terrier. Voilà donc tous ces chiens meilleurs de race qui sont maintenant sous la vue, sous les ordres de Madame Lisbeth Marr pour choisir les meilleurs. Donc le Teckel nain est sélectionné. Le Toy également. Le Lhasa Apso. Le Terrier du Tibet. Le Chihuahua poil court. Et le Cavalier King Charles sont sélectionnés. Et remerciements et félicitations de Madame Marr pour tous les autres superbes chiens de ce groupe. Fast and efficient as Mrs. Lisbeth Marr always is, she's ready with her selection in FCI Group 9. This is the miniature black poodle. Caniche nain noir. Suivi du caniche toy abricot. The best of breed winner toy poodle. Just like it often is, a very strong and very competitive group 9. Voilà le Lhasa Apso. Donc dans ce 9e groupe de la FCI qui effectivement est un des groupes les mieux représentés au cours de ces 3 journées d'exposition de Genève. Tibétain, donc le terrier du Tibet cette fois. The best of breed winner Tibetan Terrier.
vous l'avez reconnu, le chihuahua dans sa variété à poils courts. Allez, le grand tour de ring, s'il vous plaît. The best of breed winner, smooth coat chihuahua. Le cavalier King Charles. And the best of breed winner, Cavalier King Charles Spaniel. Usually with FCI Group 2, the Group 9 is one of the strongest groups. So, therefore, also quite challenging and difficult to judge. But when you have beautiful dogs, it's different. Alors, comme à son habitude, Madame Lisbeth Marr va féliciter individuellement les 6 participants et ensuite rejoindre le podium. Alors, en troisième position, c'est le Tibetan Terrier, Terrier du Tibet, qui va la rejoindre. Third place goes to the Tibetan Terrier. La deuxième place pour le Caniche Toy. Second place for the Toy Poodle. Et le meilleur du neuvième groupe du jour est le Lhasa Apso. Best in FCI Group 9, the Lhasa Apso. And now we know 9 finalists of our Best in Show. We have to get to know the last one of them, the winner of FCI Group 10. And our ring is ready to get to know the best sidehounds competing for best in group 10. I would like to welcome our guest from Spain to judge this competition, Mr. José Miguel Doval. Et les meilleurs adultes du 10e groupe, voilà le lévrier afghan, suivi du Saluki, le Deerhound, l'Irish Wolfhound, le Greyhound, le Whippet, le petit lévrier italien, l'Azawak et le dernier en compétition pour le 10e groupe, il s'agit du Tchartpolski. This is one of the smallest FCI groups in number of the recognized breeds within the group. It is 13 sidehound breeds that are recognized in this group. So today we only see 9 of them. And here we go with the selection. Le lévrier afghan, le saluki, le deerhound, le whippet, le petit lévrier italien et l'azawak sont sélectionnés, voilà, pour les 6 choix de monsieur José Miguel Doval.
d'Espagne. Alors, les noyés afghans vont s'élancer. Belles allures obligatoirement. Le grand tour du ring, s'il vous plaît, madame. The best of breed winner, Afghan Hound. Le Saluki peut s'avancer. Face caméra, s'il vous plaît. The Middle Eastern breed, the Saluki. Il nous vient d'Écosse, c'est le Deerhound. Whippet également en compétition. Le plus petit des chiens de ce groupe, du 10e groupe de la FCI, il s'agit du petit lévrier italien. Sixième chien sélectionné, il s'agit du Greyhound. The Azavac is the last one of the six selected sidehounds in FCI Group 10, competing for the last ticket for tonight's Best in Show. And we have the results. In FCI Group 10, the third place today goes to the Afghan Hound. Troisième place pour le lévrier afghan. Second place goes to the Azavac. Deuxième position, l'Azavac. And the winner is the Whippet. Donc, dernier des podiums individuels de groupe de l'après-midi, podium du 10e groupe, avec en première position le Whippet, en deuxième position l'Azavac et en troisième position le lévrier afghan. Voilà donc les 10 chiens précédemment sélectionnés vont se regrouper dans quelques instants dans le pré-ring.
et être jugé individuellement par Madame Annika Ulvaeus-Mö de Suède. Palexpo has modern extensive premises conveniently located at the heart of Europe. Let's have a tour and discover it. You can access Palexpo by any means you please. The International Coindrin Airport is across the road. Cornavin train station is a short ride away. This puts us 1 hour from Paris, London, Frankfurt or Zurich, and 6 from Dubai or 10 from Beijing. Do you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit. We are back in the main ring with the most important competition of the day, the Best in Show. Bernard, would you introduce our judge, please? Alors, vous allez applaudir très fort. Big applause for Mrs. Annika Ulvaeus-Mö. Please, big applause for her. Et maintenant, les chiens sélectionnés. And we would like to introduce to you once again the winners of the FCI groups. We would like to see the winner of FCI Group 1. Le meilleur du premier groupe, le Bouvier des Flandres. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. The best in group 2. Meilleur du deuxième groupe de la FCI, le Bulldog anglais. The winner of FCI group 3. Le Scottish Terrier, meilleur chien du troisième groupe de la FCI. Best in group 4. Le meilleur du quatrième groupe, le Teckel standard à poil dur. Best in group 5. L'Akita américain, meilleur chien du cinquième groupe. Best in group 6. Meilleur du sixième groupe de la FCI, le Beagle. Best in group 7. Le meilleur du
septième groupe de la FCI, le braque de Weimar à poil court. The winner of FCI Group 8. Le meilleur chien du huitième groupe, le retriever du Labrador. Best in Group 9. Le meilleur du neuvième groupe, le voilà, le Lhasa Apso. And the best in Group 10. Et enfin, le meilleur du dixième groupe, c'est le Whippet qui entre maintenant sur le ring d'honneur. Lineup of 10 best dogs out of almost 1600 entries at the International Dog Show here in Geneva 2022. Our 10 lovely winners now competing for the best in show title under our judge from Sweden, Mrs. Annika Ultveid-Mo. Voilà, donc c'est une sélection de 10 chiens parmi les plus de 1600 entrées aujourd'hui à cette première journée d'exposition canine internationale de Genève. Et donc ce sont les 10 meilleurs du jour avec comme meilleur du premier groupe ce superbe Bouvier des Flandres que vous pouvez applaudir très fort s'il vous plaît. The winner of FCI Group 1, the Bouvier de Flandre. Voilà, c'est maintenant le meilleur adulte du deuxième groupe qui va s'élancer devant vous. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'un superbe bulldog anglais. The winner of FCI Group 2, the English Bulldog. Voilà, le meilleur du troisième groupe de la FCI est sur la table d'examen dans les mains de Madame Meux. Vous l'avez reconnu, il s'agit du Scottish Terrier avec sa belle livrée noire. Best in Group 3 today was the Scottish Terrier. Et naturellement, c'est aussi sur la table d'examen que Madame Meux retrouve le Teckel standard à poil dur. Meilleur du quatrième groupe de la FCI. Best in FCI Group 4,
the standard wire-haired dachshund. Groupe de la FCI qui est donc représenté aujourd'hui par cet Akita américain que madame la juge est en train d'examiner dans ses moindres détails. Group 5, the American Akita. Sur la table également, attend donc le meilleur du sixième groupe, vous l'avez reconnu, il s'agit du Beagle. The winner of FCI Group 6, the Beagle. Merci aux supporters du Beagle, et voilà que s'avance comme meilleur adulte du septième groupe, ce braque de Weimar à poil court dans les mains de Mrs. Meux. Best in group 7 today, the Weimaraner short-haired. Retriever du Labrador qui va avoir droit lui aussi aux meilleures attentions de madame la juge. Best in group 8, the Labrador Retriever. Meilleur du 9e groupe, qui, comme on vous l'a dit tout à l'heure, était probablement le groupe le plus représenté aujourd'hui, avec peut-être le 2e groupe également. Donc, 9e groupe de la FCI, son représentant est cet après-midi, ce Lhasa Apso.
Budapest in Group 9 de Lhasa Apso. Merci aux spectateurs d'encourager chacun des chiens. Et voilà, le 10e et dernier chien représentant son groupe aujourd'hui, donc le 10e groupe, vous l'avez reconnu, il s'agit du Whippet. Group 10 today, the Whippet. Exactly. This is not easy. With 10 best dogs of that many. The way you wish. Okay, our judge would like to congratulate all the group winners before she tells us her results. Alors, félicitations de Madame la juge à tous les participants. Qui l'ont bien mérité, cette poignée de main, ce shake hand. And now we will soon know the results of the best in show of the first of the three International Geneva Dog Shows 2022. So. Show number 3, and thank you for the support that you're giving to our winners, but also the appreciation to our judge. So, third place goes to the winner of FCI Group 8, the Labrador Retriever. Gagnant du 8e groupe sur la 3e marche du podium, où il est accueilli par Madame Meux, vous l'avez reconnu, il s'agit du Retriever du Labrador, que vous pouvez à nouveau applaudir. The Reserve Best in Show goes today to the winner of FCI Group 10, the Whippet. C'est le meilleur du 10e groupe, le Whippet, qui se dirige vers la 2e marche du podium aujourd'hui. Et quel sera le meilleur du jour? And now, the best of the best, best in show tonight, Geneva 2022. Please give an applause to the Lhasa Apso. Voilà le podium de ce premier jour des expositions de Genève 2022. Sur la première marche du podium, choisie et félicitée par Madame Annika Hultveit-Meux, vous l'avez reconnu, il s'agit du Lhasa Apso.
En deuxième position, vous pouvez féliciter également un superbe Whippet. Et troisième sur ce podium, le Retriever du Labrador. Félicitations à tous les heureux éleveurs et propriétaires des chiens qui sont sur le podium. Et on peut également y associer les sept autres qui les ont accompagnés il y a quelques instants dans le ring d'honneur. Our best in show winner, the Lhasa Apso, is going to compete on Sunday evening for the supreme best in show. Voilà, donc le Lhasa Apso est sélectionné pour le supreme best in show qui se déroulera dimanche en fin de séance. Ladies and gentlemen, this has been a very long day. We have seen two dog shows, a national show in the morning without the main ring, and now an international dog show in the afternoon. Comme l'a dit Linda, c'était une journée longue et dure avec deux shows successifs, et on s'excuse de terminer un peu tard, mais voilà, il fallait que chaque chien soit jugé comme il se doit. With the long day, it comes also a long weekend ahead of us. We still have two more international dog shows to be seeing here at Palexpo in Geneva and also on the live stream. Voilà, donc on vous donne donc rendez-vous demain samedi et dimanche également pour la suite de ces expositions internationales de Genève, et également on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de nos amis de P1 Dog Show. Bonne soirée à vous. And we would like to thank all the judges, all the exhibitors, all the visitors here in Palexpo, and all those of you that have been watching us, following us on Facebook and YouTube. Please stay with us, share among your friends on Facebook, and see you all tomorrow. Have a lovely evening here in Geneva or at home. Voilà, merci, bonne soirée, et comme l'a dit Linda, continuez à nous suivre, à suivre ces expositions sur Facebook, sur la chaîne YouTube. On vous souhaite une bonne soirée à Genève et on vous retrouve tous les deux avec plaisir demain un peu plus tôt dans l'après-midi. Have a good evening.
Expo has modern extensive premises conveniently located at the heart of Europe. Let's have a tour and discover it. You can access Palexpo by any means you please. The International Coindrin Airport is across the road. Cordovan train station is a short ride away. This puts us 1 hour from Paris, London, Frankfurt or Zurich, and 6 from Dubai or 10 from Beijing. Do you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit.